Asléma et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne et dans laquelle je vais vous parler de ma dernière lecture Que serais-je sans toi de Guillaume Musso, paru en 2009 et publié aux éditions Pocket. Alors, je vous ai dit lors de ma dernière vidéo que c'était ma première œuvre de Guillaume Musso, que j'ai acheté trois de ses livres que j'ai trouvé en occasion chez mon bouquiniste. C'était le temps pour moi de le découvrir, étant donné qu'il est à la mode depuis plusieurs années quand même, et que c'est l'auteur qui vend le plus de livres en France, je me suis dit qu'il y a sûrement une raison pour ça. Donc, que vous dire de ce livre? C'était la grosse déception, la grande ou la déception. Elle est énorme. J'ai trouvé le livre médiocre, je l'ai noté 3,5 sur 10. Et bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi, mais avant, je vous donne comme d'habitude un petit aperçu de l'histoire. Alors, le héros, Martin, est un jeune étudiant français qui va faire un séjour aux États-Unis où il va rencontrer Gabriel et ils vont tomber follement amoureux l'un de l'autre. Mais voilà, arrive la fin du séjour et ça va être la séparation et elle ne va plus lui donner aucun signe de vie. 15 ans plus tard, Martin est devenu policier dans le domaine des arts et est en train de traquer un voleur de tableaux, Archibald. Et là, dans cette traque, il va être amené à refaire un voyage aux États-Unis et à San Francisco, plus exactement. Donc là, il va revoir Gabrielle, il va retrouver la femme qu'il n'a jamais réussi à oublier. Mais le seul hic, c'est que Gabrielle est la fille d'Archibald. Donc la jeune fille va devoir faire un choix entre l'homme qu'elle aime et son papa. Donc voilà pour l'aperçu et je vous explique maintenant pourquoi j'ai détesté ce livre. Donc premièrement, ma lecture précédente c'était La balade de l'impossible. Eh bien en lisant le début de cette œuvre, j'ai eu franchement l'impression que je faisais une chute de plusieurs étages. En parlant du niveau. Hein. Le début se voulait romantique, intense, mais franchement, j'ai trouvé ça tellement puéril et tellement mielleux. Je me suis demandé comment on peut parler d'amour de cette façon-là. Après le choc du début, je continue ma lecture et là franchement je ne comprends pas. Je ne savais plus si j'étais en train de lire un livre ou le script. Je continue ma lecture et j'arrive à la fin de l'histoire. Donc Guillaume Musso voulait faire un petit effet de surprise, mais franchement c'est raté. Je l'ai trouvé totalement raté et biscornu. Ça manquait tellement d'inspiration comme le reste du livre d'ailleurs. Bref. J'en ai assez dit sur ce livre. Bien sûr, il y a des choses que j'ai aimées. Primo, la couverture, que je trouve très très belle. Et secondo, au début de chaque chapitre, Guillaume Musso cite un auteur. Il prend une citation d'un livre d'un auteur, d'un vrai. Donc là, le meilleur, c'est clairement le cas. Je ne trouve aucune base pour dire qu'il s'agit d'un auteur à talent. Je vous cite une phrase qui m'a franchement marquée dans ce livre. L'amour et la mort n'ont que deux lettres de différence. Donc, je vous laisse méditer sur cette phrase. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera, j'espère, avec une meilleure lecture. Donc, ça sera La Cité écarlate de Semi Mourad, un jeune auteur tunisien.